Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va voir comment peindre rapidement les drones de Conquest qui servent de base, c'est les troupes de base, les péons de cette faction. Donc là je vais passer à un espèce de beige clair, je vais même pouvoir vous donner la référence, si je dis pas de bêtises. Ah là voilà, donc c'est du MiG 44 DGI. Donc MiG 11. Donc après le beige, déjà je le fais partout. Ça c'est la première chose à savoir quand on veut faire du speed painting, c'est de faire toutes les couleurs tous ensemble sur toutes les figurines que vous peignez. Donc moi là j'ai fait 4 par 4, je pourrais les faire 12 par 12 en fait, ça ne changerait rien, au contraire je gagnerais du temps au final. Parce que plus vous avez de figurines à la chaîne, et plus vous allez gagner de temps sur le rendu final. Donc là vous voyez je vais très très vite, c'est normal, je suis en 800, le tout m'a pris 45 minutes, socle inclus, touffe d'herbe inclus, tout inclus, donc c'est raisonnable, ça fait 10 minutes par figurine, c'est pas mal, surtout que là j'ai toutes les couches, j'ai pas juste le beige. Donc là je finis le beige, je finis donc ma dernière figurine, je passe partout. Alors il y a des grosses zones de beige, hein. C'est quand même les barbus, c'est une des figurines qui ont une armure, donc forcément on va avoir beaucoup de beige un peu partout. Et après je passe au vert. Alors lui le vert c'est du carapace, mais j'en ai déjà parlé, G27 de la gamme Press August Games. Donc là je l'ai ultra dilué, c'est pour ça qu'on va, garder cette coloration très très claire. C'est voulu, parce qu'en fait après moi j'ai passé un filtre avec de la grax et donc par définition ça va assombrir la figurine. Donc tout est dilué parce que ça va permettre d'avoir une meilleure teinte et ça va être vraiment plus joli. Donc bon, je m'excuse pour mon pinceau, il va vraiment falloir que je trouve un autre moyen de peindre parce que moi je suis gaucher forcément. C'est forcément là où il y a la caméra, hein. C'est obligatoire. Donc bon, vous voyez, c'est assez simple. Quand on a la technique, il faut tout faire. Voilà, il faut chercher tous les creux. Si vous avez des trous, c'est pas dramatique, hein. Franchement, vous allez pouvoir le rattraper avec l'ancrage. Surtout que là, moi, je peins tout collé. Alors, si vraiment je voulais mieux faire, je peindrais sans le bouclier. Et alors là, je gagnerais énormément de temps. Je pense que je serais à 5 minutes par figurine. Parce que le bouclier me gêne énormément, comme vous pouvez le voir. À chaque fois que je veux peindre, je suis obligé de prendre mon temps, bien le faire, pour ne pas déborder dès que j'arrive vers le bouclier, parce qu'effectivement c'est gênant à souhait. Mais bon, c'est comme ça, moi j'ai décidé de tout peindre collé, parce que je voulais jouer avec mon fils très rapidement, et donc on a joué sans avoir tout peint. Je sais, c'est mal les barbus, mais c'est comme ça, il fallait bien qu'on teste le jeu, et franchement, on s'est bien éclaté, et surtout, mon fils a 7 ans, et ça lui, il n'a pas eu de difficulté à comprendre les règles. Donc, vous voyez, déjà là, on a déjà une figurine jouable, hein, sans blague, donc c'est 2 couleurs, mais là, on pourrait se dire, bon, ok, j'arrête là, et j'ai une figurine jouable. Alors moi, je vais aller un petit peu plus loin, quand même, et je pense que vous aussi, vous irez plus loin, les barbus. Mais par contre, voilà, c'est des figurines qui sont très sympas à peindre, vraiment agréables, qui sont aucune et pareille en finale, parce qu'elles ont chacun des petits styles d'armure différents, des têtes différentes. Donc là, je fais du Warlock, et alors là, je vais passer un peu partout dans mon armure pour avoir des reflets en fait un peu organiques, parce que du coup, je suis parti sur l'idée que leur armure en fait, elle était organique, voilà, tout simplement, et donc ça leur donne un petit côté alien, parce qu'il faut savoir que c'est pas des créatures qui vivaient sur le monde où se passe Conquest, EA, si je dis pas de bêtises, c'est des mecs qui ont pris un portail pour venir ici après une catastrophe, et donc du coup je me suis dit il faut que ça soit quelque chose de complètement différent que des chevaliers, pour donner un petit côté un peu sympa. Donc j'ai fait aussi les doigts, alors on le voit pas là, mais j'ai fait aussi les doigts en violet parce que j'avais envie, voilà, tout simplement, ça n'a rien à voir. Alors là j'utilise du Space Wolf Grey pour faire les pierres, vous allez voir pourquoi. Donc je l'ai eu pareil dilué, alors j'ai pas assez dilué sur la première figurine, même là c'est pas assez dilué à mon goût, mais bon ça arrive des fois, et je vais passer de la grax dessus, vous allez voir que c'est super. Vous avez vu, je me suis quasiment pas arrêté, hein. En fait je passe les couches sur les couches sans sans me prendre la tête. Alors pour la graque, je vais quand même attendre un petit peu parce que là c'est de l'ancrage, mais pour tout ce qui est peinture, en fait je le fais directement, je me prends pas la tête. Donc voilà, là je vais passer un petit bain je vais washer comme on dit, sur toute la figurine, comme ça ça me permet d'avoir une figurine qui est tout de suite utilisable. Et pareil, petit tips pour la terre, passer de la graque sur du blanc, vous allez voir, ça rend super bien. Moi je le retouche quasiment pas en faisant des éclaircies blancs, mais en fait je passe la graque sur le blanc et ça fait super bien. Alors ça fait encore mieux avec du vrai, comment on appelle ça, du vrai sable que j'ai juste un petit peu sous-couché, et du coup il reste encore des teintes un peu beige, et quand je passe la graque, ben, ça va donner 2-3 teintes différentes, donc ça c'est vraiment cool. Donc après quand vous faites un bain de wash, une petite technique aussi, une petite astuce, quand vous posez la figurine, revenez 2 minutes, 3 minutes après pour enlever les excédents si vous en avez, pour vers le fond de la figurine, vous allez voir, des fois il y a des dépôts, et c'est pas très joli les dépôts, alors du coup il faut bien regarder s'il n'y en a pas. Et voilà, donc là vous voyez déjà j'ai toutes mes figurines qui sont finies, hein. Là on pourrait s'arrêter là. Moi je vais faire des éclaircies en blanc, parce que je préfère, comme ça ça me permet de refaire un peu les zones qui sont pas belles, et surtout comme j'ai fait ces petites auras un peu violettes, ça me permet aussi de cacher les coulures qu'on pourrait avoir quand la peinture a séché, des fois ça arrive, et du coup en passant du blanc un peu comme ça, surtout partout, et ben ça permet de les cacher, de les masquer, et donc de donner à cette teinte violette presque comme si elle faisait partie du beige. Alors si vous voulez faire ça aussi, vous pouvez le faire dans le frais directement dans le beige. Moi là vous avez vu, j'ai fait beige, puis après vert, puis après violet. On aurait pu faire beige, violet directement, comme ça on aurait une peinture qui serait mélangée un peu, et après vert, ça aurait été pas mal. Donc vous voyez, ça va super vite. Le plus long c'est le blanc. Le plus long c'est le blanc, c'est d'aller partout, sur toutes les arêtes, pour donner un petit peu de lumière à cette figurine, parce que mine de rien la graque l'a un peu assombrie. Donc du coup avec ce petit highlight blanc, ça devrait aller. Alors vous voyez là, j'ai perdu le socle. Bon, c'est pas dramatique, mais ouais, ça arrive beaucoup hein, avec les figurines, parce que là c'est du plâtre, et si on peut pas utiliser on peut utiliser de la cyano, donc de la super glue, mais on peut pas utiliser comment on appelle ça, la glue à colle, enfin la colle à plastique, je vais dire, parce que cette colle plastique elle colle le plastique avec le plastique, mais comme c'est du plâtre résine, bah, ça fond pas. Donc du coup j'ai utilisé un peu de super glue, mais des fois ça s'enlève. Alors vous avez vu, la teinte de mon socle est devenue grise, c'est le marron du Agrax plus le blanc, l'éclairci blanc, j'arrive à récupérer des teintes marron, donc ça c'est vraiment sympa. Ça va donner vraiment des pierres qui ont plusieurs teintes, et ça c'est vraiment ce que je recherche, c'est vraiment cool quoi. Donc là pareil, je passe sur les arêtes, même sur le milieu, j'essaie de faire les dalles pour qu'on voit bien les zones de dalles, et là maintenant on va mettre un peu de colle à bois pour pouvoir mettre notre herbe statique. Et après j'ai rajouté des tufts de Army Painter, donc si vous n'avez pas vu, j'ai fait une petite vidéo sur ce produit qui est excellent, mais excellent. Alors là j'en mets aussi au milieu, parce que quand il y a des morts, bah, il faut laisser le socle, donc du coup c'est pas mal d'avoir un petit peu d'herbe là, comme ça quand j'ai le socle pas utilisé, ou avec une figurine, bah, au moins on a un peu de tout. Donc voilà, donc là je regarde un petit peu comment je vais les mettre pour les placer. Et puis bon, c'est pas dramatique s'il y a, les raccords sont pas bons, mais c'est parce que j'avais envie de me prendre un peu la tête. Et là voilà, là j'ai fini l'herbe, et maintenant je vais mettre du tuft. Et là j'ai rajouté du tuft un peu partout, j'en mets allez, 8 par groupe de 4 quoi. Un peu sur le socle, un peu sur les socles de figurines. Et voilà, donc voilà ce que ça donne quand c'est fait. Donc là la colle à bois est pas sec, hein, mais, parce que j'ai toujours hâte de faire des photos. Mais bon, ça rend bien, hein, qu'est-ce que vous en pensez les barbus? Ça a quand même de la gueule. Moi je trouve que c'est vraiment super, les figurines sont super, le fait d'avoir des socles c'est super, et le fait d'habiller les socles c'est vraiment génial. Bon, voilà la fin de cette vidéo les barbus, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me passer vos remarques ou vos questions dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de notre future vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via Tipeee, en nous filant un pourboire pour améliorer le matos de la chaîne. Quant à moi les barbus, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt pour une vidéo, et que le poil soit avec vous.